Alors bonjour et bienvenue, je m'appelle Nicolas Clédière, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire de psychologie cognitive, et je vais vous présenter la plateforme d'études du comportement des babouins, dans laquelle on réalise des expériences sur des singes, des babouins, qui concernent essentiellement la psychologie individuelle, les études sur la perception, la mémoire, et la perception visuelle par exemple, et aussi des comportements sociaux, des interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. La particularité de cette plateforme, qui a été entièrement développée par Joël Fagot, c'est que les singes sont en libre accès dans leur enclos, vous allez pouvoir les voir en train d'interagir dans leur groupe social, et qui peuvent venir à tout moment participer à des expériences à travers un système de reconnaissance et d'utilisation d'écran tactile, dans lesquels ils peuvent interagir avec un ordinateur et obtenir des récompenses quand ils donnent des réponses correctes. Donc maintenant vous voyez l'enclos extérieur dans lequel les babouins sont en train de passent la plupart de leur temps. Ils sont en train de se reposer dans le coin où ils montent sur les structures en bois qu'on a construites. Et puis tout au fond de l'enclos, vous voyez les petites trappes qui leur permettent d'accéder justement aux dispositifs expérimentaux dans lesquels ils peuvent réaliser des expériences. Donc on étudie un groupe d'environ 25 singes avec des enfants, des femelles, des mâles et des mâles adultes, et puis on a aussi plusieurs singes mâles adultes dominants qui forment des petits harems à l'intérieur de ce grand groupe de babouins. Voilà, je vous laisse explorer.